Je souhaiterais aujourd'hui du courage à tous les Guinéens. Et j'ai été informé tout à l'heure que le virement a été fait aujourd'hui. Ils ont viré les salaires des gens aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, voilà, j'ai fait mon travail. Dans ce petit direct, nous allons d'abord décrypter en 3 minutes le discours de Son Excellence le Prince Alpha Condé. Et en second temps, féliciter monsieur, c'est Black M, parce que Dieu a fait que Black M aussi est rentré dans la danse. Black M, c'est un artiste français d'origine guinéenne, selon les informations. Voilà. Black M est en train de tourner un clip au niveau du port Simandou à Forikaria, partout. Partout, ils ont les entreprises aujourd'hui. Ils ont envoyé Black M pour prendre des photos ou tourner des clips. Un album qui va bientôt sortir, que la Guinée vers le développement. Ce n'est pas notre problème. Ça, ce n'est pas un souci. C'est pas un souci. Ceux qui savent que la Guinée est en développement, il n'y a pas de souci. Si la Guinée se développe, vous verrez. Si la situation de la Guinée aujourd'hui est devant tout le monde. Le tableau est là, hein. Et pour terminer, nous attendons demain pour souhaiter joyeux anniversaire à Kadiatou Balé, Bangoura, Baga Fauté. Ça, c'est demain, Inch'Allah. Mais par anticipation, nous souhaitons joyeux anniversaire à Kadiatou Balé. Voilà. Et le dernier point, si nous avons le temps, nous allons parler de la rencontre entre El Hadj Abdoulaye Diallo et Sidya Touré à Abidjan. Nous avons des informations par rapport à cette rencontre. Nous félicitons l'homme qui fait toujours le premier pas. Voilà, il va vers les autres, le rassembleur, et là, seul dans les dialogues, nous le félicitons par rapport à ses actions. Voilà, parce que certains vont interpréter ça autrement. C'est pas un problème. C'est vous êtes libre de voir les choses telles que vous voulez. C'est pas un problème. Donc, nous allons commencer par le discours de Son Excellence, le professeur Alpha Condé. Pour rafraîchir, bon, juste bien avant ça, je voudrais m'adresser, permettez-moi de m'adresser au Service national des bourses extérieures. Le Service national des bourses extérieures, SNAB, a publié des images. Le départ de 154 étudiants pour le Maroc. Pour le Maroc. Mais comme sont tous les enfants de ce pays, nous nous parlons au temps de l'Ancien parce que nous avons pris connaissance des choses au temps de l'Ancien Compte jusqu'à aujourd'hui. Nous ne connaissons pas ce qui s'est passé au temps du présent Sékou Touré. Amolo. Donc, avec ma petite expérience, toutes mes réflexions, j'ai vérifié, j'ai demandé à des amis par hasard pour ne pas que je me trompe. Est-ce qu'une fois, au temps de l'ancien Akonté, jusqu'à aujourd'hui, le département des bourses extérieures a filmé ou pris les photos des boursiers d'État, c'est-à-dire filmer, mettre les photos à l'aéroport que les boursiers d'État bougent, à ma connaissance. J'ai demandé par-ci, par-là. Même ceux qui sont venus à la période, jamais, tu sais, jamais vu. Donc, je voudrais aider ce type-là pour sa publicité. Parce que ce n'est pas nous qui l'avions dit. Ce sont ces étudiants, des enfants de ce pays, abandonnés pendant plus de 3 ans en Russie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, abandonnés. Nous rappelons à cet individu. À cet individu, le patron de Snap, que nous savions très bien qu'il y a des étudiants boursiers d'État qui sont rentrés volontairement avec les frais de leurs parents. C'est pour le rappeler. Des étudiants bloqués au Maroc ont demandé juste à l'État, si vous ne pouvez pas payer nos rémunérations, faites-nous rentrer. Donnez-nous bien, on rentre. Pour éviter l'humiliation, ils ont bloqué, ils ont refusé. Ils ont menacé certains étudiants même.
Nous avons vu le cas des Russes, les étudiants guinéens vivant en Russie, sont passés tour à tour sur ma page. Aujourd'hui, pour faire la publicité, pour dire que non, les services fonctionnent très bien parce que c'est Benito qui les intéresse, voilà, ça c'est son poste aujourd'hui. Pourquoi je voudrais vous montrer ça? Pour que vous soyez des témoins de demain. Dans 2 mois ou 3 mois, tous ces enfants qui sont partis aujourd'hui de Conakry vont nous appeler pour dire « Grand, ça ne va pas jusqu'à ce qu'on n'a pas été pire. » Retenez, gardez, notez et signez. Signez, gardez. Juste, c'est juste un rappel. Nous montrons les images et rappelez l'individu en question, le patron de Snap, qui a un budget, tout, que dans 2 ou 3 mois, heureusement, ils ne seront pas là après le mois de décembre. Ils ne seront pas là. Mais néanmoins, nous rappelons, des enfants là vont nous appeler dans un ou deux mois comme ça, que jusque-là, ils n'ont pas reçu d'argent. Parce que ce qu'ils ne savent pas, qu'ils nous expliquent comment les enfants ont voyagé, combien ils auraient mis aux enfants, demandez-leur. Et qui va récepter les enfants? Je ne perdrai pas mon temps sur ça aujourd'hui. Je garde juste le suspense parce que j'attends que l'un des travailleurs de ce service-là m'envoie les informations. Combien les parents ont payé? Parce que c'est que l'État a payé que le billet. C'est le billet que l'État a payé. Arrivés au Maroc, ils vont payer leur logement. Nous allons rentrer dans les détails, dans un direct, pour rappeler à ce petit directeur-là. L'abus ne fait pas le moine. C'est pas les images là qui vont faire. Je vous ai dit, vous êtes à la recherche d'une publicité que vous n'aurez jamais. C'est-à-dire, vous êtes dans une publicité que vous n'aurez jamais. Parce que vous avez décidé de tromper ce petit parce que on peut le tromper. Vous trompez tous Doumbouya. Nous connaissons la réalité. Grand Lobido, comment vas-tu? Nous connaissons la réalité. Donc, en tout cas, Tobé Kuno, regardez les enfants, on les a mis en ligne pour prendre les photos. Voilà, ça c'est les boursiers, voilà ce qu'il écrit. C'est le service national des bourses extérieures, départ de 159 lauréats pour le Maroc. Ce jour 1er octobre à l'aéroport international Bessia de Conakry. Bon voyage, bonne chance et bon courage. Maintenant, allez-y, cliquez, vous allez lire un peu les commentaires. Amusez-vous à lire les commentaires en bas là-bas, vous n'allez pas... Lisez les commentaires. Non. Moi, je félicite les Guinéens. Regardez. Hein. C'est très bien organisé. Regardez. Ils ont mis d'autres en ligne. Un gendarme en train de vérifier les passeports. C'est bien organisé. Regardez-les en ligne. Vous avez vu? Voilà. Donc, je vais rapidement aller avec le discours de son Excellence, le président de la République. Voilà ce que le président de la République dit. Voilà. Le professeur Fakonde, le chef de l'État, message du 10 octobre 2024. Mes chers compatriotes, écoutez très bien. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 66e anniversaire de notre indépendance, je veux d'abord rendre hommage à nos héros nationaux. Ils ont forgé l'histoire et la grandeur de notre nation. Je pense aussi au père fondateur, ceux qui, en ces mémorables 2 octobre 58, ont conduit la Guinée vers la souveraineté, faisant de notre pays le premier en Afrique noire francophone à choisir librement l'indépendance, avec courage, justice et dignité. Mes chers compatriotes, nous sommes un peuple libre, fier et profondément attaché à son histoire. Ensemble, nous avons affronté et surmonté d'innombrables défis pour consolider notre unité et bâtir un avenir meilleur pour nos filles et fils. De 2010 à 2021, nous avons fait des avancées significatives pour construire une démocratie inclusive et fraternelle. Mais je dois vous poser cette question. Que reste-t-il de ces acquis? Que reste-t-il de notre souveraineté, de notre liberté? Depuis cet ignoble coup de force du 5 septembre 2021. Depuis ce jour tragique, la Guinée a enregistré de nombreux reculs. Les libertés publiques sont confisquées. Dans les partis politiques, au sein de la société civile, dans les médias, aucun citoyen n'a le droit d'exprimer ses idées et opinions. Dans ce contexte où l'autorité militaire commande à l'autorité civile le rôle de la justice,
est réduit à un simple instrument d'exécution des oukasas d'un pouvoir illégitime. De 2021 à 2024, de nombreux Guinéens sont toujours emprisonnés, sans jugement, privés de leurs droits les plus fondamentaux, comme aux heures les plus sombres des dictatures passées. Plus grave, d'autres Guinéens, civils comme militaires, sont kidnappés, froidement et sauvagement assassinés, comme le général Sadiba Koulibaly, le colonel CC Célestin Bilivogui, et beaucoup de jeunes soldats, sans oublier le pédiatre Dr Djoubaté. D'autres kidnappés sans nouvelles, comme Oumar Sylla, alias Fonike Mangue. C'est Alpha Condé qui écrit, hein? Alpha Condé. C'est Alpha Condé. Voilà, c'est Alpha Condé qui dit le nom de Fonike Mangue. N'oubliez pas, hein? Voilà, le temps, nous sommes dans un mouvement d'ensemble. Je continue. Plus grave, tout ce qu'il a cité là, ce qui est plus grave que ça, il dit d'autres Guinéens civils comme militaires sont kidnappés, froidement et sauvagement assassinés, comme le général Sadiba Koulibaly, le colonel CC Célestin Bilivogui, et beaucoup de jeunes soldats, sans oublier le pédiatre Dr Djoubaté, d'autres kidnappés sans nouvelles, comme Oumar Sylla, alias Fonike Mangue, et Bill Loba de la société civile. Et pourtant, l'Organisation internationale de la francophonie a levé la suspension de la Guinée au grand étonnement de l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. Mes chers compatriotes, nous célébrons cette indépendance dans un pays rongé par la corruption, où ceux qui prétendent combattre les corrompus s'enrichissent sans vergogne. De nombreux rapports montrent que nos ressources et l'intérêt national sont bradés à l'étranger pour satisfaire les besoins d'un petit clan, tandis que dans les rues de Conakry, leur opulence s'exhibe sans retenue. Ouais, on voit les États partis par là. C'est vrai, mes chers compatriotes, l'air est grave. Toutefois, je vous exhorte à garder l'espoir, à rester mobilisé. Voilà, chacun de vous, Guinéens et Guinéennes, a un rôle à jouer pour empêcher que l'avenir de notre pays soit confisqué par ceux qui servent leur propre intérêt au lieu de servir le peuple. Je reste et demeure votre président démocratiquement élu. Ouais, par voie de conséquence, je vous demande de rester unis. Ouais. Face à ces incertitudes, je vous demande de rester unis. Ne cédons pas aux divisions. Nous ne devons pas accepter que l'armée soit fracturée ou que les ressources de l'État soient distribuées de manière inégale au sein de nos forces armées. Le 2 octobre est un symbole fort, celui de notre rupture avec toute domination extérieure. Aucun Guinéen ne tolérera une nouvelle forme de colonisation, quelle qu'en soit la forme. Il est temps de restaurer notre dignité, celle qui a été piétinée par cette junte. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que nos conditions de vie se dégradent, que nos routes se détériorent, et que les projets qui devaient transformer notre pays sont bloqués depuis le 5 septembre 2021. Notre objectif est clair, mettre fin à la dérive sanglante et dictatoriale qui mine notre pays depuis 3 ans. Et d'ici la fin de l'année, les patriotes, qu'ils soient civils ou militaires, doivent se faire entendre. Je m'adresse aux braves femmes de Guinée, ces piliers de notre société, aux jeunes, aux artistes engagés, refusés d'être corrompus par ceux qui, par leur largesse illicite, veulent vous acheter pour atteindre leur ambition présidentielle. Ces mêmes personnes vous oublieront une fois leur objectif atteint. Toutes les forces politiques doivent se concentrer sur un seul objectif. Arrêter. Voilà, arrêter ce coup d'État permanemment contre l'avenir de la Guinée. Il est temps de restaurer un pouvoir légitime, choisi librement par le peuple guinéen. Unis dans cet objectif, nous triompherons. Ensemble, nous retrouverons notre dignité nationale. Alors que sur la voie tracée par nos devanciers, nous nous sommes toujours battus en faveur d'un partenariat de respect mutuel avec le reste du monde. C'est contre toute forme de mainmise extérieure. Ils veulent transformer le 2 octobre 2024 pour la propagande de la candidature du chef de la junte. Bonne fête d'indépendance. Vive la Guinée. Que Dieu bénisse notre pays. Président Alpha Condé. Merci, papa. Voilà ce qui est bien dit. Et clair.
Donc, au bras de Betoloro, en Bébrome. Donc, je prends une partie de ce discours-là pour m'adresser à mon frère, à mon petit frère Black M. Black M, monsieur Black M, avant toi, il y a Paul Kouba qui est passé, avant toi, Paul Pogba est passé, Black M. Avant toi, d'autres artistes sont passés. Avant toi, il y a des gens qui sont... Avant toi, il y a beaucoup, beaucoup de ces stars. Même Ronaldinho est passé, Ronaldinho est passé. Ronaldinho est le grand footballeur, le technicien. Est passé en Guinée. Mais demandez aux Guinéens la suite. Cheikh Merdialo, merci beaucoup. Merci pour les étoiles. Demandez aux Guinéens le résultat du passage de ces gens. Qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que nous avons gagné avec ça? Ils ont fait jouer Ronaldinho sur un terrain qu'on appelait avant le stade L'Ancien Raconté. Allez-y voir. Le même stade sur lequel Ronaldinho avait joué avec certains Guinéens. Allez-y voir, s'il vous plaît. C'est simple que ça. Allez-y voir. Le même stade. Maintenant, on sait, on t'a déplacé. Pour... Ils cherchent les images. Parce que la France, aujourd'hui, est dans un répertoire d'encaisser, montrer des images. Rien ne va passer. Petit, prends ton argent. Nous ne sommes pas contre les intérêts de quelqu'un. Tous ceux qui peuvent bouffer là-dedans avec le CNRD, allez-y, bouffez, prenez. C'est votre argent. C'est l'argent du peuple. Monsieur Black M, ce que nous voulons te dire simplement, Ronaldinho est le meilleur, il a été le meilleur joueur, ballon d'or, le meilleur technicien. Quand tu demandes à Zidane qui était le meilleur technicien, il va te dire que Ronaldinho. Tu demandes à Zidane qui était le meilleur buteur, il va dire que c'est l'autre, le même Ronaldo, Ronaldo brésilien. Donc c'est pour te dire... T'es Black M, tu n'es qu'un simple artiste. Tu chantes très bien. Tu es patriote. Tu es français. Doumbouya est français, nous comprenons. Hein? Vous avez le même passeport. Donc on t'a envoyé. Toi, tu es venu pour un séjour en Guinée. Et c'est ce qu'on nous a dit au départ. Hein? Mais on te prend pour t'envoyer dans des lieux, des sites de Simandou, le port de Simandou, partout où il y a les c'est-à-dire, la situation liée à Simandou, tu t'arrêtes ici, on prend les photos et puis tu es en train de préparer un clip pour nous dire, ah non, voilà Guinée bouge, voilà le projet du siècle, il faut aider Mamadi Doumbouya. Monsieur Black M, cette société que tu vois qu'on appelle Simandou que tu vois comme ça, ce n'est pas Mamadi qui a monté le projet. Tout de suite là, monsieur Black M, on vous demande une question très simple. Est-ce que vous êtes informé sur les questions de droits de l'homme dans ce pays? Non, tu ne vas pas t'en sortir. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Non, moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi je suis un simple artiste, je fais la promotion de la Guinée. Mais on fait la promotion d'un pays si tout va bien dans ce pays. Alors quand tu vas finir de faire ton clip au niveau du projet Simandou, est-ce que tu peux nous aider à prendre ta voiture pour aller à Zérékoré. Juste essayer d'aller à Zérékoré. Ou bien tu prends ta voiture, essaie d'aller à Labi, en passant par Mamou, pour voir la route Mamou dans là-bas. Essaie de faire ça simplement. Tu verras si c'est la réalité. Ou bien tu prends ta voiture pour aller à Dibreka. Il faut aller à Dibreka. Il n'y a pas de route aujourd'hui à Dibreka. Essaie de le faire, c'est simple. Hey, le débat là est clos. Ils veulent des images. Ils veulent la publicité, ils veulent que tu fasses une publicité pour eux. Nous sommes d'accord. Personne n'est contre. Excusez-moi, je vais bloquer quelqu'un ici. Voilà. Excusez-moi, je vais bloquer quelqu'un ici. Comment je fais? Parce que c'est lui qui est en train de mettre... Ok, c'est pas grave. Essaie d'aller à l'intérieur. C'est simple, mon ami. Tu veux faire la publicité pour eux. Nous sommes d'accord. S'il te plaît, lève-toi. Prends la route de Dibreka ici, juste Dibreka. Ou bien tu vas à Boké. Ne va pas comme ça. Tu n'as pas besoin d'aller à Forécaria. Hein? Parce que tu es venu, mon frère. Ils t'ont trompé. Mon ami, comment vas-tu? Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Non, ouais, ne marche pas. Petit, s'il te plaît. Petit,
on t'a apporté les casques et tout, tout. Mais mon ami, nous avons vu ça dans ce pays. Paul Pogba est venu ici, il fallait voir le stade. Lui-même, Doumbé, s'est déplacé pour aller. Le résultat, Paul Pogba est tombé. Aujourd'hui, Paul Pogba reçoit 1400 euros par an. C'est l'argent que Paul Pogba reçoit. 1400. 1400. C'est ce que Paul Pogba reçoit aujourd'hui. Tous ceux qui ont touché à ce chien-là ont échoué. Tu es venu te mêler dedans. Tu es venu rentrer dans un jeu, tu ne vas pas t'en sortir, petit. Parce que nous allons te laver. Tu as compris? Je viens un artiste. Je ne parle pas de toi, hein, parce que moi, je pensais que tu étais plus que les petits artistes guinéens, là. Il y a un jeune artiste guinéen qui était au cabaret. Allez-y voir le petit. Il a fait le plein au cabaret, le jeune, là. Comment il s'appelle? C'était quoi, là? C'était plein. Voilà ce qu'on appelle artiste. Le jeune est parti remplir. C'est comme Saïfon. Si ce n'est pas des malentendus, regardez Saïfon au Sénégal. Il y avait un monde fou. Voilà un jeune, Saïfon, qui vient juste de commencer à chanter. Saïfon n'a même pas eu 6 ans de carrière. Saïfon n'a pas eu 6 ans de carrière, hein, mais il fallait voir le monde. Tout le monde avec les téléphones. C'était beau à voir. Tandis qu'en ce temps-là, les gens sont en train de se promener. Ils sont en train de se promener à l'intérieur du pays, dans des 4x4, parce qu'ils ne peuvent pas prendre des petits voies. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Demandez à Apache, Apache et son équipe de Cancan à Kisugu, comment ils ont fait. Est-ce qu'ils ont emprunté la route Cancan? Il faut demander à Apache. Donc, mon frère, je m'adresse à toi. Sincèrement à toi, toi, Black M. Après le port, essaie de tourner le clip aussi. En partant vers la forêt, ben, Dibreka, tu verras les réalités de ce pays. Ou bien rentre dans les quartiers de Conakry. Il ne s'agit pas de peine de les places des martyrs pour nous, ça va. Je voudrais te dire encore, c'est pour rappeler aussi ceux qui ont la petite mémoire, ceux qui ont des petites puces dans leur tête. Il y a un monsieur qu'on appelle le professeur Fakonde. Quand il est arrivé au pouvoir dans ce pays, il a commencé par organiser les fêtes d'indépendance par le système de rotation. Demandez. Le système de rotation des fêtes d'indépendance ont aidé beaucoup de régions à changer de visage. Tandis que vous qui tapez votre porte, qui n'est pas fier de son indépendance? Nous nous apprêtons comme ça à fêter. Il y a un jeune qui a organisé, Mohamed, qui a organisé la fête d'indépendance le samedi 5 ici à Trenton. Tous les Guinéens vivant à Trenton. Moi, je ne suis pas à Trenton. Moi, je vis à Philadelphie. Mais vu qu'il y a une grande partie de ma famille, je suis tout le temps à Trenton, il m'a invité. Ce n'est pas de la politique. Hein. Je vais me déplacer. Je me rendrai à la cérémonie. C'est le 5, samedi 5. De même, je vais donner l'adresse. Donc, mon ami, le professeur Alpha Condé, avec la rotation des fêtes d'indépendance, a changé le visage de beaucoup de régions administratives, des gouverneurs, des préfectures reconstruites, des bâtiments refaits en totalité. Donc, regardez une fête d'indépendance, on s'en va perdre la place des martyrs de l'abbé, tandis qu'à l'abbé, si tu rentres à l'intérieur de l'abbé, rentrez à l'intérieur de l'abbé. Allez-y voir Mamoun Dalaba. Ou bien Mamoun Faran, il n'y a pas de route. Hein. Allez-y. Dans Conakry, allez-y Kakimbo. Non, rentrez dans Ratoma, s'il vous plaît. Ratoma, au moins, il y a un peu de goudron. Allez-y à Matoto. Ou bien Dixon qui est là. Allez-y. Monsieur Black M, promène-toi à l'intérieur de la capitale. Toutes les routes sont dégradées. Et pourtant, tous les jours, on nous montre ici une société qu'on appelle Azerout. Azerout est en train de refaire les routes tous les jours, mais nous ne voyons aucune route. Tous les jours, Azerout est en train de refaire les routes. Mais regardez, aucune route. Personne ne voit les routes. Vous vous bavardez, ils sont dans l'amusement. Merci Tata Sidiki, merci beaucoup. Et vous êtes dans l'amusement. Moi,
je le répète encore, donnez l'argent de ce pays à qui vous voulez. Nous avons fini de recenser vos biens matériels. Tout ce que vous avez construit, en tout cas en matière de bâtiments, de villas, de châteaux, d'écoles, tout ce que vous avez construit sur le territoire guinéen, tout a été arrêté par des bonnes personnes, des juristes. Il y a la liste. Et tout ce qui appartient à vos épouses aussi, ils ont fait la liste. Et tous ceux qui ont été à toutes les parcelles achetées par vos enfants, ou bien des parcelles que vous avez mis avec le nom de vos enfants, ils ont tout arrêté. Tout est arrêté. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Une simple question de temps. La seule chose qui ne va pas manquer au gouvernement guinéen, le prochain gouvernement là, c'est les édifices publics. Parce que ce que je sais, il y a tellement de bâtiments aujourd'hui, il y a tellement de parcelles, il y a tellement de... Comment on appelle ça? Non, je sais. Concernant les bureaux administratifs, là, les écoles, parce que nous allons transformer des étages en écoles privées, écoles publiques. Je connais plus de 5 étages appartenant à Sozo. Comment ça s'appelle là? Appartenant à Sozo. À Idi Amin, il y a deux étages qui appartiennent à Amara. Il y a une école qui appartient à Amara. Il y a deux châteaux qui appartiennent aux jeunes frères de... Je citais, tout est là. C'est une question de temps. La Guinée ne va pas souffrir d'établissement public. Nous allons transformer ces bâtiments déjà en école privée, ou bien en université privée, ou bien université publique. Regardez-vous aujourd'hui, vous avez envoyé de l'argent. Il y a un jeune qui m'a appelé, sa copine est en partance à Sigiri. Voilà, les gens se sont doublés à Conakry. Ils ont donné 1,5 million par personne pour aller à Sigiri pour la fête d'indépendance. Et qu'est-ce que les organisateurs ont fait? Ils ont enlevé 500 000 sur l'argent de chaque personne. Et ça a commencé à crier. Ibrahim, vous ne pouvez pas initier que ce Kelema Baron. Ils ont donné 1,5 million, ils ont dit lors de la réunion que chaque personne, même Béoto Sigiri, que chacun a 1,5 million. Maintenant, on remet 1 million. Ah, il a fait le quoi, 1,5 million? Quoi, dis donc, 1 million de thé. Niata, niata. 1 million plus les t-shirts. Allez, voilà le bus. Allez-y. Ceux qui ont bougé hier, là, demandez-le où ils sont aujourd'hui. Ils sont bloqués, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Au moins, M. Black M, s'il vous plaît, que les gens là vous donnent les images des routes entre... C'est Dabola Mamoun qui est un peu beau aujourd'hui. Mais Dabola Kouroussa, à qui il faut filmer. Demande aux gens de filmer pour ça. Tu mets ça dans ton clip. Yaï. C'est-à-dire, on peut débloquer des milliards. Débloquer des milliards pour une fête d'indépendance. On peut comprendre, c'est une fête d'indépendance. Mais acheter, faire déplacer des familles entières. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour des familles qui ont été victimes d'inondations? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour des familles qui sont restées sans toit ici? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour des familles qui sont restées ici là, sous la pluie, après avoir perdu tout? Je vais rétablir le son dans tes testicules, tout sur le Lumabari, ne t'en fais pas. Merci, Vamsa, Moussa, comment vas-tu? Amatas, merci beaucoup, frère. Partagez. Vous remettez de l'argent aux uns et aux autres aujourd'hui-là. Hein? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Les différentes familles qui étaient couchées. Hein? Hein? Je vous dis, quand les familles qui étaient couchées à Donkanyasin, brûlées, assassinées par Mamadi Doumbé avec son drone, le drone qui est parti tomber sur le dépôt de carburant, demandez à ces familles-là s'ils ont reçu un rond. Vous n'êtes pas capable de donner de l'argent. Hein? Parce que, voilà des occasions de faire la publicité. Vous n'êtes pas intelligent, hein? Sinon, voilà des occasions pour faire la publicité. Tout l'argent qu'ils sont en train de disposer dans des conneries, des mamaya et autres, là. S'il y a des victimes comme ça, d'incendies, d'inondations, c'est l'occasion de cesser des points. Des grands chefs d'État. Moi, j'ai vu le président Erdogan,
le président Erdogan à l'approche des élections. Vous savez, Yahya, excusez-moi. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Le président Erdogan, à l'approche de l'élection, il y a eu inondation, il y a eu catastrophe naturelle, il y a eu tellement de morts, mais le président s'est déplacé. Il s'est investi. Malgré ça, ils ont dit non, il a raté, il a manqué, non, ils n'ont pas pris ça. Mais quand même, de fait qu'il s'est investi, ils ont déplacé les gens, ils ont aidé la population, ça a payé lors de l'élection présidentielle. Vous n'êtes pas intelligent. Voilà quoi est bien inclus demain. Voilà des occasions où vous devez mettre de l'argent. Mais même Doumaïe, c'est pour aller voyager, à faire voyager des petites filles et autres. Des t-shirts, un t-shirt aujourd'hui a été confectionné à combien? Un seul t-shirt. Ils vous ont demandé combien? Par t-shirt. Ceux qui font les t-shirts ont demandé combien? 100 000 par t-shirt. Par écoléphonie. Entre 50 et 100 000 par t-shirt. La suite. Les familles là, tout récemment là, il y a eu combien de soldats tués? Les parents ne verront jamais les corps. L'attaque du 26 là, il y a eu plus de 15 morts. Il y a eu beaucoup de morts. On me dit, il y a eu beaucoup de morts. Mais les gens ne verront jamais les corps. Hein? C'est déplorable. Donne-moi une minute. Vous ratez des occasions où vous devez investir. Je vais terminer par ça. Donc, on vous rappelle, c'est le procès Alpha Condé, à travers la fête d'indépendance par raison administrative, qui a changé l'image de beaucoup, beaucoup de bâtiments administratifs. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, ça rime à quoi? Rien. Au moins, c'est les t-shirts que vous confectionnez. Vous confectionnez les t-shirts, vous déplacez les jeunes. Mais lui, il a investi. Il a investi, il a mis de l'argent dans les bâtiments administratifs dans les régions. Il a transformé beaucoup de régions administratives ont bénéficié des fêtes d'indépendance par rotation. Parce que ça allait continuer, ça allait continuer. Parce que à Tundi Banfolo, après, il allait continuer. Mais avec le coup d'état là, vous avez perdu la Coupe d'Afrique, vous avez perdu tout. Aujourd'hui là, je vous vois faire un emplat en disant voilà l'équipe qui va aller jouer en Côte d'Ivoire. C'est les autres, hein. Nous allons jouer en Côte d'Ivoire. Le pays du troisième mandat, parce que olé. Hein? Voilà les démagogues. Voilà un démagogue. Le voici, c'est là. Un démagogue. Regarde, Mounia Traoré. Le voici ici. Un démagogue. Voilà. Des démagogues. Excusez-moi, je voulais juste. Voilà. Je voulais notifier ça pour tout le monde. C'est un petit qui m'a envoyé ça. Je vais juste lire ce que j'ai reçu. Bonsoir, Grand Benito. Toutes les stations ont été vidées sur le tronçon échangé jusqu'à Donka. Ils disent qu'il faut éviter l'explosion. On ne sait pas ce qui va se passer. Écoutez très bien. Toutes les stations ont été vidées sur le tronçon échangeur jusqu'à Donka. Ils disent qu'il faut éviter l'explosion. On ne sait pas ce qui va se passer. Je voulais t'envoyer cette petite notification. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Toutes les stations ont été vidées sur le tronçon échangeur jusqu'à Donka. Ils disent qu'il faut éviter l'explosion. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je t'envoie cette petite notification. Vous avez entendu ça? Voilà. Donc, nous avons une information d'Aïma. Bon, on dit, ici, là, on dit, on vient de faire le virement. Ils ont fait le virement. On m'avait envoyé une info. Bon. D'accord. On se reprend après, Inch'Allah. Je reviendrai avec vous montrer un faux compte d'une dame. Et je voudrais rassurer la dame que ce n'est pas la peine de passer par ce faux compte. Là, ah, ma nièce, comment vas-tu, ma championne? Mariam Kourma French, comment vas-tu? Amen. Donc, portez-vous très bien, on se reprend après. Donc, par anticipation, nous souhaitons joyeux anniversaire à Kadiatou Balé Bangoura, Baga Fauté.
Folie Albanien, merci, portez-vous très bien. Ne vous en faites pas, ne tombez. Hey, on vous donne l'argent l'argent du contribuable guinéen bouffé. Nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Le 31 décembre est arrivé, puis c'est terminé. Aïbaori dit même, nous sommes contre personne. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un. C'est le fait qu'on dit non, forcément, nous devons s'associer à eux là. On a des problèmes. Donc, portez-vous bien, on se reprend après, Inch'Allah.